Pour moi, il n'y a pas match, hein. Il n'y a pas question à débat. Le préfet, il a fait ce qu'il a fait. Il est dans son rôle. S'il a estimé qu'il doit y avoir 3 matchs dans la seule ville de Cotonou, 3 matchs animés par des tendances différentes, il y a de quoi s'inquiéter. Bon, maintenant, si le président, lui, en tant que père de la nation, il prend une décision de sagesse, ça c'est une décision de sagesse, parce que vous savez, depuis qu'il est là, on crie que les marches sont réprimées, on crie que les libertés sont, comment appelle-t-on, embrigadées, tout ça, ben voilà. Il ne veut pas en rajouter, donc il a demandé de laisser faire. Je crois qu'il a fait également ce qu'il a à faire et chacun s'est manifesté. Bon, moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce que nous sommes dans un pays de droit et de démocratie. Je pense que chacun est libre de réclamer ses droits. Ce jeudi, il y a eu des marches et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cela. Ce que le chef de l'État a initié, c'est ça, c'est une bonne chose par rapport au préfet qui a décidé d'arrêter, empêcher la marche. Je n'ai pas beaucoup apprécié le comportement du préfet, quoi. Mais on voit qu'aujourd'hui, dans le pays, ça ne va pas. Mais chacun est libre de réclamer ses droits. Et c'est par la lutte et par les marches qu'on peut réclamer ses droits. C'est très bon. C'est pour nous montrer que nous ne sommes plus à l'ère du changement. Nous sommes à l'ère du nouveau départ. C'est très bon. La seule chose que moi... Je veux dire par là qu'il faut que le président n'a qu'à bien revoir les choses parce que ça ne va pas dans le pays. Nous, on a tout fait pour qu'il vienne dans le pays, pour nous sauver. Parce que les 10 années passées, on a trop souffert, mais il ne faudrait pas que ça continue. Lui, il est là, c'est pour nous sauver. On a voulu qu'il soit là pour nous sauver. Il ne faudrait pas qu'il vienne encore pour que les mêmes choses recommencent et les mêmes bêtises continuent. Nous voulons que notre pays soit libre. Et en plus de ça, bon, je ne sais pas. La seule chose, c'est qu'il n'a qu'à revoir tout. L'histoire de préfet, tout ça là.